C'est un moment qui était attendu depuis très, très longtemps. C'est un soulagement et un dénouement. Maintenant, la vie continue et est toujours autant difficile. Pour autant, j'ai besoin de me reconstruire, de penser les cicatrices et surtout de me projeter, de me consacrer surtout sur l'avenir et mes objectifs et de les concrétiser. Quand on a été victime d'une erreur judiciaire enfermée à tort et injustement, bah, il n'y a pas de quoi se réjouir et j'estime sauter au plafond. Après tout, ça a été une erreur qui a fait que rectifier à mon égard, à mon encontre, tout simplement. Je ne veux pas être dans un état d'esprit et de rancune, de rancœur, sinon je sais que je n'avancerai pas et je ne m'en sortirai pas. 11 ans de combat, on a enfin arrivé à la stricte vérité. Tout ce que je voulais, moi, c'est que l'innocence de mon fils soit reconnue, puisque j'ai toujours clamé qu'il était innocent depuis le départ. Et voilà, le combat a mené quand même à ses fins aujourd'hui.